en délicatesse avec sa tante, Charline de Monaco a fait plusieurs mois en Suisse où elle se faisait soigner. Avec elle, accordés médecins, elle a pu retourner sur le rocher pour y poursuivre sa convalescence, mais sous une condition précise. Depuis plusieurs mois, Charline de Monaco traverse une période particulièrement difficile, aussi bien sur le plan familial qu'au niveau de sa santé. LS était rendue en Afrique du Sud pour les obsédés, un ami cher. Sujette à des problèmes ORL, LS est fait opérer dans son pays d'origine et a dû y rester durant plusieurs mois avant d'être internée dans un centre specialized suisse pour traiter son épuisement physique et moral. Heureusement, tout semble aller mieux et Charline de Monaco S est résolument engagée à reprendre sa vie en main. Sur le plan sentimental, Charline N était plus vraiment heureuse. En délicatesse avec ses belles S droits d'auteur purs, ces derniers mois à la principauté ont été particulièrement stressants. Pour couronner le tout, son couple avec le prince Albert II est tellement trouble que les médias leur ont prêté des envies de divorce. Très amoureux de son épouse, le monarque lui a une fois de plus apporté son soutien en se soumettant à une condition exigée par celle-ci, afin d'éviter le divorce. De quoi est-ce, agit-il? Quelle est la condition imposée par Charline pour revenir sur le rocher? Nous vous disons tout. Charline et le prince Albert II. Source: Getty Images. La princesse est de retour de l'une des meilleures cliniques de santé mentale et de toxicomanie au monde en octobre 2021. LS est fait opérer pour une infection des oreilles, de la gorge et du nez. LS était enregistrée dans un hôpital de Durban en utilisant un pseudonyme afin de ne pas attirer elle, attention des médias. Son retour sur le rocher était annoncé, LL a repoussé à plusieurs reprises à cause de son état de santé. Son époux et leurs deux enfants ont fait le déplacement pour elle, Afrique du Sud, afin de passer un peu de temps avec elle et lui apporter du réconfort. Le prince Albert II et ses enfants. Getty Images. Après avoir finalement quitté l'Afrique du Sud, la princesse a été internée dans un établissement hospitalier en Suisse dont le nom était encore garde sous silence, mais ce n'est plus le cas. LS est fait soigner dans la luxueuse clinique Les Alpes, qu'elle a intégrée en novembre 2021. Après le magazine allemand Bleed, cet établissement situé près de Montreux est elle, une des meilleures cliniques au monde spécialisée dans le traitement de la santé mentale et de la toxicomanie. Toujours après le magazine, cette clinique est réputée pour son efficacité et sa clientèle richissime. Il y a passé 4 mois, on imagine bien que le montant de la facture totale a dû être très élevé. Elle, établissement emploie 30 experts de la santé mentale. Clientèle est composée de célébrités, des oligarques russes ou encore des enfants de milliardaires. Tout va bien pour la princesse de Monaco. La célèbre clinique a fait honneur à sa réputation en remettant sur pied elle, ancienne nageuse olympique. Après des mois de traitement, elle a enfin pu reprendre le cours de sa vie. Que beaucoup de speculations ont circulé quant à son état de santé, il n'était pas possible d'en connaître elle, évolution de manière certaine. Le prince Albert II était régulièrement questionné à ce sujet. En février 2022, il avait rassuré tout un peuple en donnant des nouvelles encourageantes de son épouse. La princesse Charline va beaucoup mieux, j'espère qu'elle sera de retour prochainement en principauté, avait-il confié à Monaco Matin. Portrait de Charline de Monaco. Source:
Getty Image. Bien que cela a pris du temps, Charline de Monaco a finalement regagné la principauté pour le plus grand bonheur de sa famille et de ses fans. Tour et Resolution. Qu'est-ce qui va aider Albert à éviter le divorce? Alors que les monégasques avaient perdu espoir de revoir un jour Charline de Monaco sur leur terre, cette dernière leur a fait une belle surprise. Retrouver son mari, mais surtout ses deux magnifiques enfants Jacques et Gabriella. Le palais a produit un communiqué pour annoncer le retour de Charline. De gré en accord avec ses médecins et alors que son rétablissement est en bonne voie, leurs altesses sérénissimes ont convenu ensemble que la princesse Charline peut désormais poursuivre sa convalescence en principauté, auprès de son époux et de ses enfants, plus ou moins pouvait-on lire. Les enfants du prince Albert II. Getty Images. Il se trouve que ce retour ne est pas fait sans condition, dans la mesure où elle, ancienne nageuse olympique, ne voulait plus rentrer sur le rocher. Pour que cela se passe, le prince a dû accepter une condition spécifique, à défaut de quoi, sa bien-aimée Amy aurait pu demander le divorce. De quoi agit-il exactement? Pour revenir à Monaco, Charline a catégoriquement refusé de retourner vivre au palais royal. À la place, elle est installée dans elle, arrière-pays, plus précisément à Rocagel. Magazine Voici a donné des explications portant sur cette situation. De gré pour la première fois, Charline a prononcé le mot « marque divorce ». Et K, C, est inenvisageable pour lui. À tout pour ne pas en arriver là et elle le sait très bien, plus ou moins. Prince Albert II. Getty Image. On se doute bien que le monarque n'a pas accepté cette condition sans en poser également quelques-unes. Leur amour a toujours su braver les obstacles qui se sont dressés sur leur route, et on imagine bien qu'ils en ressortiront plus forts que jamais. On ne peut qu'être heureux de voir la princesse Charline de nouveau auprès des siens, et surtout, en meilleure santé. Décidé à reprendre sa vie en main, et il ne fait aucun doute qu'avec la présence de son époux et de ses enfants, elle aura tout le soutien nécessaire pour aller de elle, avant. Vous pouvez aussi lire aussi, Albert de Monaco publie l'histoire de Charline à l'occasion de ses 44 ans. N'oubliez pas de vous abonner à Momam sur Google.